Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Droit au débat. Au menu du jour, la règle 51-49. Quelles sont les activités encore concernées par la règle du 51-49? Comment les entreprises appréhendent-elles l'application de ces nouvelles réformes? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités du jour, Monsieur Lazare Sabani, partenaire chez PwC, et Madame Nijma Kebaili, senior manager chez PwC. J'en profite pour remercier nos partenaires officiels, PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Et tout d'abord, comme de coutume, on entame notre émission avec la rubrique Legal News, Legal Doctrine. Fiscalité. Dans un telex numéro 976, la DGI précise les modalités d'application de l'article 140 de la loi de finances pour 2021. Pour rappel, cet article est relatif au droit du timbre dû à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement de l'agrément du mandataire en propriété intellectuelle. Le telex précise également les quotités correspondantes selon les cas. Fiscalité. Dans une circulaire numéro 265, la DGI précise un certain nombre de mesures relatives au recouvrement et contenues dans différents articles de la loi de finances pour 2021. Je cite « l'application des pénalités de recouvrement prévues article 30, l'abrogation de la lettre de rappel prévue à l'article 67, la vente de gré à gré des biens saisis prévue à l'article 68, la contrainte extérieure prévue à l'article 69 plutôt, et enfin de l'échéancier de paiement prévu à l'article 70. Retrouvez en détail le contenu de cette circulaire sur legal-du-6doctrine.com. Place à présent au cœur de l'émission, votre rubrique « Le droit en débat ». Instaurée en vertu de la loi de finances 2009, la règle dite 51-49 fixe le seuil de la part de participation d'un investisseur étranger dans une société de droit algérien à 49% du capital social contre un taux de 51% pour l'investisseur local. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit M. Lazare Sabani, partenaire chez PwC. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Et on reçoit également Madame Kebaili Nijma, senior manager chez PwC. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue. Et merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être présent ce soir. Monsieur Sabani, pour la première question, je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel historique de la règle 51-49? Je vous remercie de nous avoir invités encore une fois sur ce plateau pour nous exprimer sur ce sujet si important pour l'Algérie et pour l'investissement direct étranger. Donc, pour rappel, cette règle 51-49 a été instaurée par la loi de finances complémentaire pour 2009 et modifiée par la suite par d'autres textes juridiques. Cette règle prévoyait en fait que l'investissement étranger doit être limité à une quotité de 49% et doit être réalisé dans le cadre d'un partenariat avec un investisseur algérien résident en Algérie. Parallèlement à l'introduction de cette règle 51-49, je rappelle que pour le secteur d'importation en vue de la revente en l'État, la même loi de finances complémentaire pour 2009 a prévu que pour ce secteur, un taux de participation minimum de 30% doit être pris également par un investisseur algérien dans le cadre de la société qui procède à l'importation vue de la revente en l'État. Donc ce sont deux règles en réalité qui ont été édictées par la même loi de finances complémentaire pour 2009 et qui ont survécu ensemble, en fait parallèlement, et qui ont évolué aussi parallèlement. Donc cette règle 51-49 a été renforcée par la loi de finances complémentaire pour 2010, qui a précisé en fait que certaines modifications du registre de commerce doivent obéir ou doivent être soumises en fait à la règle 51-49, et on va les rappeler tout à l'heure je pense,
Et donc, c'est ce qui a en fait limité, disons, le champ d'intervention des investisseurs, et donc ça figé la situation des entreprises algériennes qui sont détenues par un partenaire étranger. Par la suite, en fait, la loi de finances pour 2015 a étendu la règle 51-49 au secteur d'importation en vue de la revente en l'État. Donc désormais, il n'y a plus de distinction entre les autres secteurs d'activité et le cas particulier de l'activité d'importation en vue de la revente en l'État. Cette règle, donc, elle était supprimée du Code de l'investissement et a été déplacée dans le cadre d'une loi de finances. En fait, c'était la loi de finances pour 2016. Et donc, c'était juste pour répondre à un souci de conformité, en fait, des textes, parce que le Code de l'investissement, pardon, prévoyait des incitations fiscales. Donc, le législateur a estimé nécessaire de la sortir du Code de l'investissement. Donc, dans une période plus récente, en fait, notamment la loi de finances pour 2020 a décidé la suppression de la règle 51-49 pour l'ensemble des secteurs d'activité, sauf ceux qui revêtent un caractère stratégique pour l'économie nationale. Et là, la loi de finances complémentaire pour 2020 est venue préciser la liste des secteurs dits stratégiques. Et donc, il les a limités à 5 secteurs d'activité. Voilà un petit rappel historique de l'évolution de cette règle. Mmh. Et donc, la loi de finances pour 2021 est venue apporter de nouvelles modifications qu'on va aborder tout de suite. Complètement. Madame Kebaili, quelles sont les activités encore concernées par la règle 51-49 finalement ? Alors, tout d'abord, nous avons des activités relatives à l'importation de produits, matières premières, marchandises destinées à la revente en l'État. Mmh. Et d'autre part, nous avons aussi les 5 secteurs stratégiques qui ont été expressément énumérés par la loi de finances complémentaire pour 2020. À savoir, la première concerne l'exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine et superficielle relevant d'une activité extractive en surface ou souterraine, à l'exclusion des carrières et sablières. La seconde activité concerne l'amont du secteur de l'énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l'exploitation du réseau de distribution d'acheminement de l'énergie électrique par câble et l'hydrocarbure gazeux ou liquide par conduite aérienne ou souterraine. La troisième concerne les industries initiées ou en relation avec l'industrie militaire relevant du ministère de la Défense nationale. La quatrième concerne les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports. Et la dernière concerne les industries pharmaceutiques, à l'exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destiné au marché local et à l'exportation. Très bien. Quel est l'apport de la loi de finances pour 2021, M. Sabali ? Oui, en fait, la loi de finances pour 2021 vient apporter des clarifications, tout d'abord, quant à la nature, en fait, des opérations qui restent soumises à la règle 51-49. En l'occurrence, on parle de l'activité d'achat-revente en l'État. En effet, en fait, la loi de finances complémentaire pour 2020 faisait référence à une notion d'achat-revente de produits, mm-hmm. sans préciser en fait s'il s'agissait d'importation, etc. Donc, ce qui pouvait s'apparenter en fait à toute activité en fait d'achat-revente, même sur le territoire national et même combien même à l'export, etc. Donc, la loi de finances pour 2021 est venue clarifier les choses, donc en termes en utilisant une autre terminologie, en fait, et donc en faisant référence à l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'État. Mm-hmm. Ce qui, en fait, qui est conforme à l'esprit du texte depuis l'origine, d'ailleurs, depuis la loi de finances complémentaire pour 2009. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, il y a une précision de taille ici à apporter, en fait. Je vous en prie. La loi de finances complémentaire pour 2020 vient également instaurer une nouvelle obligation en fait pour les entreprises qui sont existantes et qui sont structurées sous un autre schéma de participation, si vous voulez, différent
de celui du 51-49. Et donc, cette obligation consiste à les obliger à se conformer à cette règle, et ce, avant le 30 juin 2021. Et justement, c'est une parfaite transition pour ma prochaine question. Les entreprises algériennes détenues par un ou plusieurs associés étrangers se livrant à l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état doivent se conformer à la règle 51-49 avant le 30 juin 2021. Une fois le délai prévu par la loi de finances 2021 atteint, à savoir le 30 juin 2021, quel sera le sort des sociétés opérant actuellement dans ce domaine, Madame Kebaili? Alors, concernant les sociétés qui opèrent dans le domaine de l'importation pour revente en l'état, ces sociétés doivent se conformer à la règle du 51-49, comme il est mentionné dans la loi de finances pour 2021, avant le 30 juin. Oui. Après cette date, leur registre de commerce deviendra sans effet. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie en fait qu'ils ne pourront plus exercer l'activité d'importation pour revente en l'état. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense, pour compléter un peu l'apport de la loi de finances, ce que disait justement Lazare sur la loi de finances 2021, il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été introduites, notamment la clarification concernant un des secteurs stratégiques qui concerne le secteur minier. Car il est clairement mentionné dans la loi de finances complémentaire que le secteur minier est un secteur stratégique, à l'exception faite actuellement des sablières et des carrières et des sablières. En fait, il s'agissait d'une notion qui n'était pas clairement, l'exception n'était pas aussi claire en fait que maintenant. Tout à fait. Ensuite, le dernier point aussi concernant l'apport de la loi de finances 2021 concerne aussi la clarification relative à l'autorisation préalable à demander en cas de cession d'actions ou de parts sociales au profit d'un étranger qui détient des parts sociales ou des actions dans une société algérienne. Cette autorisation maintenant doit être demandée auprès des services habilités. D'accord. Donc voilà, il s'agissait un peu de précision peut-être à rajouter. Excellent, merci Madame Kebaili. Et depuis la loi de finances complémentaire 2020, de quelle manière cette problématique a été appréhendée par les sociétés, monsieur? Alors, les sociétés, en fait, en réalité, elles ont commencé à se préparer déjà à partir de la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2020, en fait, au mois de juin dernier. En effet, les sociétés qui ne sont pas placées dans les secteurs dits stratégiques, eh bien, elles commencent déjà à se restructurer éventuellement pour avoir une autre structure actionnariale. Pour celles qui sont dans le secteur stratégique, bien entendu, elles respectent la règle 51-49. Et pour les sociétés qui sont dans le secteur d'importation en vue de leur vente en l'état, la règle vient d'être annoncée par la loi de finances pour 2021. Donc, elles commencent à se préparer pour se mettre en conformité par rapport à cette règle, et ce, dans les délais impartis, hein, donc qui sont fixés au 30 juin 2021. Donc il y a plusieurs solutions en réalité qui commencent à être mises en place par ces sociétés, notamment la filialisation, si vous voulez, de l'activité d'importation-revente en l'état. Si la société fait une activité mixte, production et importation, donc la première solution, c'est éventuellement de créer une société à part entière qui réalise d'une manière spécifique cette activité d'achat-revente en l'état. Ça, c'est D'accord. une première solution. Une autre solution consiste notamment à changer le schéma opérationnel lui-même, en fait, qui consiste éventuellement à renégocier les contrats avec les clients pour ne pas réaliser cette activité exclusivement. Et puis, il y en a d'autres qui simplement se conforment à la règle en essayant de chercher des partenaires qui prendraient les 51% ou les 21% si elles sont détenues à 70-30. Je vais revenir sur les sociétés exerçant à la fois l'activité d'importation pour revente en l'état, mais également de la production, comme vous le disiez, ou des services. Madame Kebaili, quel est l'impact concrètement sur ces sociétés-là?
Je pense que ça reste quand même une très bonne question et c'est le genre de questions que nous rencontrons ces derniers jours qui concernent les sociétés qui ont plusieurs activités, à savoir le service, la production, mais aussi l'importation pour revente en l'état dans une même société, bien évidemment avec un registre secondaire. Donc quel serait vraiment l'impact et ce qu'on dit généralement, et c'est depuis la loi de finances de 2021, ce qu'on voit c'est que cette règle va s'appliquer à l'ensemble de la société. Même si cette société exerce parallèlement une activité de production, il faudra justement trouver éventuellement faire soit ressortir l'activité d'importation pour revente en l'état dans une autre société, voir en fait comment restructurer sa société pour à la fois se mettre en conformité à la règle du 51-49 pour leur activité d'importation pour revente en l'état, mais aussi pour suivre l'activité actuelle. Car comme on l'a dit précédemment, après le 30 juin, le registre de commerce deviendra sans effet. Donc il s'agit quand même d'une problématique qui doit être vraiment étudiée ces jours-ci, et ce, avant le 30 juin. Voilà. Très bien. Alors, on va à présent parler de passage du droit de préemption à l'autorisation préalable. Est-ce que les cessions plutôt d'actions ou de parts sociales détenues par des étrangers sont libres, M. Sabani ? Non, pas tout à fait, en fait. En tout cas, en ce qui concerne les sociétés qui réalisent des activités qualifiées de secteur stratégique pour l'Algérie aujourd'hui, elles sont obligées, en fait, de demander une autorisation préalable avant de céder, en fait, des actions à une partie étrangère. Bien entendu, le droit de préemption a été supprimé. Le droit de préemption, sous son format classique, en fait, et qu'on a connu tous, a été supprimé. Donc, il a été remplacé par cette autorisation préalable qui n'est exigée que lorsqu'il y a un transfert d'actions de parts sociales de sociétés dans le secteur stratégique. Donc, la réponse à votre question, c'est non. C'est pas tout à fait libre pour ce type de société. Bien entendu, c'est libre pour le reste des sociétés qui opèrent dans d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas qualifiés de stratégiques. Une précision peut-être ici pour les sociétés qui font de l'importation en vue de la revente en l'état, elles ne sont pas concernées par cette obligation d'obtenir l'autorisation préalable. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons des textes. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les explications maintenant des articles, etc., mais c'est la compréhension que nous faisons de ces textes-là. Très bien. J'aimerais juste revenir sur la différence, Madame Kebaili, si vous me le permettez, entre le droit de préemption et l'autorisation. Alors, la différence entre les deux, c'est que le droit de préemption permet à l'État de préempter, c'est-à-dire d'acheter les cessions, les parts ou les actions d'une société de droit algérien à un prix qui a été donné. Contrairement à l'autorisation préalable, qui est une obligation en fait d'obtenir l'aval des services habilités afin de procéder à cette cession de parts sociales ou d'actions. Et comment justement cette autorisation pourrait-elle être obtenue ? Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails, car le texte de la loi de finances fait référence à un texte réglementaire qui devrait être publié très prochainement, je l'espère, qui clarifiera en fait les modalités d'application pratique de cette autorisation préalable. Et donc on s'attend à avoir justement des clarifications autour notamment des délais de traitement de l'autorisation, du contenu du dossier à déposer, du service habilité compétent en fait qui doit traiter ces autorisations, ainsi de suite. Bien sûr, on a l'expérience de l'exercice du droit de préemption et on s'attend à ce que ce soit quelque chose de similaire ou proche de du droit de préemption. Néanmoins, aujourd'hui, nous n'avons pas plus de détails en fait sur les modalités pratiques de l'exercice de l'autorisation préalable. Très bien. On va aborder à présent l'histoire du droit des investissements avec un partenaire local. C'est Asmahen Benabou qui nous en parle dans la rubrique « Histoire du droit ». Très tôt, les peuples et les nations ont compris l'intérêt du partenariat.
générer des chiffres d'affaires complémentaires, réduire les coûts, étendre son réseau, accélérer le transfert de compétences et de technologies pour le pays d'accueil, etc. Les modalités de ces partenariats ont varié selon les temps et les époques, laissant plus ou moins de place à la liberté d'investissement pour les étrangers, et notamment dans des secteurs dits stratégiques. Sous la Grèce antique, les métèques, qui sont les étrangers résidant à Athènes et dont le statut est entre un citoyen et un étranger de passage, ne peuvent ni participer au gouvernement, ni posséder de terres ou de maisons dans la cité. On trouve pourtant souvent les métèques dans les métiers du commerce ou de la finance. Au Moyen Âge, l'Angleterre devient grâce à sa flotte une puissance d'envergure planétaire. Elle s'engage dès la fin du XVIIe siècle dans le commerce avec les Indes orientales et réalise d'énormes profits en vendant le coton indien sur le continent européen, mais en interdit la vente sur son île pour protéger ses propres industriels. En 1934, les États-Unis instaurent également une réglementation en matière d'investissement étranger en interdisant à une partie étrangère d'avoir une participation supérieure à 20% dans une entreprise de télécommunications. À partir de 1999, l'Algérie profite d'une conjoncture économique très favorable, due à la hausse du prix du pétrole. L'État mène alors une politique de grands travaux. La règle de partenariat 51-49 est rendue obligatoire par l'État algérien en 2009, dans un esprit de protection des investissements nationaux, à l'époque où l'Algérie s'ouvrait au monde, accueillait des investisseurs étrangers et souhaitait toutefois conserver un certain contrôle sur son économie. Ce type de partenariat protectionniste n'est pas nouveau. Durant la période contemporaine, le premier pays au monde à avoir pratiqué la forme moderne de partenariat sous forme de co-entreprise ou de joint venture est la Chine. La co-entreprise sino-étrangère de capitaux propres était jusqu'à récemment la forme la plus utilisée. Elle naît de l'obligation pour les investisseurs étrangers de s'associer à un partenaire chinois. Mais le souhait de l'Empire du Milieu de s'ouvrir vers l'extérieur l'a cependant conduite à revoir sa réglementation et s'engage désormais à traiter les investisseurs étrangers au moins aussi favorablement que les investisseurs nationaux au stade de l'accès aux investissements, dit le texte. Comme en Chine, l'Algérie a peu à peu revu la règle jusqu'à sa suppression partielle. La loi de finances pour 2021 s'inscrit dans ce cheminement. Merci Yasmahen Benabou pour ces précisions. Et pour aller plus loin dans la thématique 51-49, nous vous avons demandé de poser vos questions. Alors, Madame Kebaïli et Monsieur Sabani, on va répondre aux questions des personnes qui nous regardent ce soir. Alors, la première question est la suivante. Est-ce que les exceptions prévues à la règle du 51-49 sont encore applicables? C'est Farid qui nous pose la question. Oui, je me permets peut-être de répondre à la question. Un petit rappel, en fait, ces exceptions ont été introduites par la loi de finances complémentaires pour 2010. Et elle consistait en fait à lister un certain nombre de cas, d'accord, ce qui ne nécessite pas en fait la mise en application de la règle 51-49. Donc le premier cas, c'est la modification du capital social sans changement en fait des quotités ou des proportions en fait de la répartition du capital social entre les actionnaires ou les associés. Le deuxième cas, c'est la cession ou l'échange entre anciens et nouveau administrateur d'une action de garantie, ce qu'on appelle une action de garantie, c'est-à-dire une seule action dans le capital social. Troisième cas, c'est la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe, d'accord, qui n'est pas l'activité principale, qui n'a pas un impact, disons, prépondérant en fait, dans l'exercice de l'activité de la société. D'accord. Le quatrième cas, c'est la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités de la société. Le cinquième, c'est la désignation d'un directeur ou d'un dirigeant, d'un PDG ou d'un nouvel administrateur. Et puis le dernier, c'est le changement de l'adresse du siège social. Donc tous ces cas n'appelaient pas, en fait, ou ne nécessitaient pas
la conformité à la règle 51-49. Nous pensons, en tout cas c'est un avis personnel, hein, parce que ces textes-là n'ont pas été abrogés, donc sont toujours en vigueur, et nous pensons que ces exceptions ou ces cas restent toujours applicables, même après la promulgation de la loi de finances pour 2021. Et donc c'est toujours applicable, nous pensons que c'est toujours applicable. Très bien. Alors, deuxième question. Notre société exerce à la fois de l'importation pour revente en l'État, mais également de l'importation dans le cadre de notre production. Est-on impacté par l'obligation de se mettre en conformité avec la règle du 51-49 avant le 30 juin 2021 ? C'est Fella qui nous pose la question. Alors, pour cette question, il faudrait tout d'abord différencier l'importation pour la revente en l'État de l'importation pour la production. Mmh. Le texte relatif à la loi de finances 2021 parle de l'importation pour la revente en l'État, qui doit se conformer à la règle du 51-49. Lorsque vous faites une importation dans le cadre de votre production, ce n'est pas une importation pour la revente en l'État. Ainsi, vous n'êtes pas soumis à la règle du 51-49. Néanmoins, étant donné que l'ensemble de ces activités sont effectuées au sein même d'une seule entité, une seule société, il faudrait voir au plus vite comment restructurer votre société afin d'extraire en fait cette activité d'importation pour revente en l'État qui sera applicable au 51-49 et rester et garder votre activité de production qui requiert bien évidemment de l'importation qui serait peut-être en 100% ou majoritairement détenue par un étranger. CKD ou SKD ? SKD, en vue de la production, n'est pas concerné par la règle 51-49. Très bien, parfait. Merci d'avoir répondu à nos questions. Gibran Freitas revient ce soir dans sa rubrique « Droit et technologie ». C'est parti. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Alors, tu vas nous parler d'automatisation de documents juridiques ce soir. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est automatiser un document juridique ? C'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises au cours de nos émissions de droit au débat. Et c'est l'occasion maintenant, justement, de voir concrètement à quoi ça correspond. Donc, on en a parlé dans une émission précédente. On a vu que la Legal Tech peut servir à beaucoup de choses. Mais le document juridique, c'est quand même ce qui est à la base du travail de tout juriste ou de toute personne qui travaille avec le droit. Et je pense que tant Nijma que Lazare ne vont pas me contredire, on est parfois enterré sous une tonne de documents quand on travaille dans le droit. Et justement, la Legal Tech vient pour essayer de réduire le temps qu'on passe à remplir des documents qui sont susceptibles d'être automatisables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a parfois des contrats ou des conventions qui sont assez répétitives, où il n'y a pas tant de modifications que ça, on va dire, sur le fond, notamment juridique, du document. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une équipe de développeurs, donc des codeurs en informatique, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont automatiser, ils vont coder, on va dire, un modèle de document et ils vont indexer à ce modèle de document un questionnaire. En fait, la personne qui va devoir remplir le document, ce qu'elle aura simplement à faire, c'est à répondre à quelques questions. Par exemple, quel est votre nom, quel est votre prénom, quelle clause souhaitez-vous mettre dans ce contrat ? Et en fait, selon les réponses que la personne va donner à ce questionnaire, le document juridique va se créer sous ses yeux automatiquement. Et la force de l'automatisation, en fait, en réalité, c'est que le document juridique qui va être produit, s'il a été bien conçu à la base, il aura directement, on va dire, une forme qui est justement conforme. On n'aura pas à se poser la question de savoir est-ce que ce document est bien rempli, est-ce qu'on n'a pas oublié une clause à droite ou à gauche, parce qu'on peut paramétrer, bien entendu, avec des conditions, les différentes clauses du document. Donc, en fait, l'automatisation, c'est coder un contrat, coder un document juridique pour qu'on puisse le générer automatiquement avec un questionnaire. Et ça sert surtout, en termes de sécurité juridique, à faire en sorte que certains documents qui sont quand même standards, il faut le dire, soient bien remplis par les personnes qui sont, par exemple, des personnes qui sont dans l'opérationnel, qui ne sont pas forcément des juristes, mais qui ont besoin des documents vite, parce que, en effet, très souvent, ce qui ralentit, que ce soit dans le monde des affaires ou dans d'autres secteurs, c'est souvent la négociation contractuelle. Donc l'automatisation, ça sert à beaucoup de choses, dans le monde du B2B, mais également dans le monde du B2C. On va avoir de plus en plus d'entrepreneurs, qui sont quand même des professionnels, mais qu'on peut considérer comme du B2C, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir un avocat
pour créer par exemple des statuts d'une société et qui vont trouver dans des générateurs automatisés de documents quelque chose d'à peu près satisfaisant. Donc on va en convenir, c'est toujours mieux d'avoir son document rédigé par PwC, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Du coup, on a la Legal Tech qui vient pour essayer justement de donner plus d'accès aussi aux documents juridiques. Plus d'accès, plus de sécurité, c'est un petit peu ça finalement, automatiser un document juridique. Et c'est plus rapide. Merci. Et c'est plus rapide. Merci Gibran Freitas et merci à nos invités d'avoir été présents avec nous ce soir. Monsieur Sabani Lazare, partner chez PwC, merci d'avoir été présent. Merci à vous. Merci également Madame Kebaili Nijma, senior manager plutôt chez PwC. Merci d'avoir été présente ce soir. Merci. Merci à nos partenaires officiels PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Merci à vous qui nous regardez pour votre attention. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet legaldoctrine.com, votre plateforme de recherche et veille juridique. Ne ratez aucun épisode en vous abonnant à la chaîne YouTube Legal Doctrine. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Excellente soirée à tous.